tu seras le Père Noël de la véranda. Bon, d'accord. Tout le monde au lit, les enfants. Vous savez que demain, c'est le jour de Noël. C'est Noël demain. Et le Père Noël de la véranda va passer cette nuit. Chouette. Bien sûr, il ne donne des cadeaux qu'aux enfants sages qui s'endorment très vite. Bonne nuit. Alors fermez bien les yeux, sinon pas de cadeaux. Oh, j'ai vu un œil s'ouvrir. Non, non, je suis toujours endormie. Mon œil s'est pas ouvert. J'espère bien qu'il ne s'est pas ouvert. Réveillez-vous, les enfants, c'est aujourd'hui Noël. Chouette. Regardez si le Père Noël vous a laissé quelque chose. Il m'a laissé une boule à neige. Et moi, de la mousse à raser. J'ai une trousse pour les crayons. Et c'est ma trousse de crayons. Papa. Bingo, tu ne l'arraches pas des mains. Mais c'est la mienne. C'est celle de Bluey pendant le jeu. Elle te la rendra à la fin du jeu. Bon, d'accord, je suis désolée, Bluey. C'est très bien, Bingo. J'en veux plus de sa trousse. Papa, je lui ai dit que j'étais désolée. Mais elle fuit la tête et elle veut pas reprendre la trousse. Tu ne veux pas accepter ses excuses, Bluey? Non, pourquoi je les accepterais? Parce que sinon, le Père Noël t'apportera pas de cadeau. Le Père Noël aime les enfants gentils qui acceptent les excuses. Bon, très bien. Oh, c'était plutôt facile. Très bien, maintenant c'est à quelqu'un d'autre d'être le Père Noël de la véranda. Bonne nuit, les enfants. Fermez bien les yeux, sinon pas de cadeau. Oui, oui, promis. Quoi? Oh, les vilains enfants, ils ont regardé le Père Noël. On n'a vraiment pas fait exprès. C'est toi qui nous a réveillés. Pas de cadeau pour vous. Quoi? C'est une blague ou quoi? Non, je vais jeter tout ça dans la poubelle. Non, non. On est désolé, Père Noël.